Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau jeu H1Z1. Donc c'est un jeu un peu de survie où c'est un monde post-apocalyptique où tout le monde débarque en même temps sur une map et le but c'est de se casser la gueule. C'est franchement super drôle, mais étant donné que je n'ai aucun skill en termes de FPS parce que je n'ai très rarement joué au FPS, et bien je suis mauvais comme vous allez pouvoir le voir. Donc ça, au début, c'est mon personnage, il est là, regardez comme il est beau. Pas du tout, hein. C'est le personnage de base. On peut voir que je suis déjà entre guillemets niveau 13, c'est loin d'être fou. Et pour l'instant par contre, ça, je suis assez fier de moi. Je sais pas trop ce que ça vaut dans le game, mais en termes de solo, je suis déjà gold. Et ouais les gars, c'est comme ça, j'ai commencé le jeu il y a 2 jours, je suis gold. Comme vous voyez, il y a 6 types de classement. Donc vous avez le bronze, le silver, le gold, le plate, le diamant et le royalty. Donc royalty, à mon avis, c'est juste le premier. Et bon, lui, pour le détrôner, à mon avis, va falloir y aller. Et en fait, je vais vous montrer comment on gagne des points. Eh bien, le jeu calcule vos 10 derniers matchs. Pas vos 10 derniers matchs, vos 10 meilleurs matchs. Et il additionne tous les points et à la fin ça vous donne vos points totaux. Alors on peut voir que sur mes 10 derniers matchs, il y a une fois où j'ai fini 6ème, une fois où j'ai fini 8ème. C'est pas mal parce qu'on commence, vous allez voir tout à l'heure, à genre 150, 160, des fois 170 si les mecs sont vraiment chauds sur la même map. Donc 6ème c'est vraiment bien, ça veut dire que j'étais le 6ème qui restait. Et en plus j'ai fait un kill, ce qui est exceptionnel. On peut voir que sur mes 10 derniers matchs, j'ai fait 3 kills, ce qui est ridicule. Mais vous allez le voir, c'est parce que je suis nul. J'évite le combat, je fuis. À la fin, les mecs qui restent normalement sont forts, donc ils me butent. Donc en gros, j'ai pas d'échappatoire. Ça va être très dur pour moi de faire un top 1. On va lancer une petite game, on va trêve de plaisanterie et on y va. Alors pour l'instant, c'est juste un lobby, hein. Vous allez le voir, là on est, voilà, on est 155. Et par exemple, on peut frapper des mecs. Voilà, ah bah là c'est le lobby, donc on peut se taper, mais ça va rien changer pour l'instant. Là c'est juste pour préparer. Putain, c'est trop stylé sa veste, lui. Elle est trop stylée. Alors tout ça c'est des skins. Et d'ailleurs c'est à ça que servent les petits skulls. Attendez que je le retrouve, le bounty. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est pour se payer des skins, etc. Des skins de voiture et tout. C'est assez voilà, c'est assez rigolo. Mais il y a aussi d'autres. Il y a aussi des coffres et tout. C'est vraiment le même système un petit peu que CSGO, hein, même si j'y ai jamais joué. Hop, donc on est en parachute. Le but c'est évidemment d'atterrir le plus vite possible. Alors il y a tout le monde qui est... Bon là vous les voyez pas parce que c'est la brume. Voilà, regardez, il y a tout le monde. Donc voilà, le but c'est d'arriver le plus vite possible. Et on m'a appris un petit trick, c'est que quand on fait gauche droite avec le parachute, on descend plus vite que si, regarde, que si on fait rien du tout. Donc là le but c'est de trouver une petite baraque tranquille, qu'on se fasse pas emmerder, qu'on récupère nos premiers items, parce qu'au début on démarre, on est à poil, hein. Et là maintenant c'est le drame. Faut espérer d'avoir de la chatte, tout simplement. Donc ça va, on a un casque, un petit pistolet. De toute façon, nous, les pistolets, ça nous sert à rien. On est content de les avoir, mais en vrai, vu qu'on tire pas, ou presque pas. Ok, un petit sac à dos, c'est parfait. Un arc. Alors, l'arc, c'est de la merde. Du coup, je le prends pas. Là. Hop. On va recharger. Et là, vous pouvez voir qu'en haut à gauche, évidemment, les kills s'enchaînent. Il en reste plus que 144. Et voilà. Et chaque partie, en fait, c'est comme ça. Il faut qu'il en reste plus qu'un. Alors, attends. Attends, parce que tout à l'heure, je suis atterri. Ouais, vas-y. Je vais aller là. Regarde qu'il n'y ait personne. Parfait. On va prendre les balles. Le M19. Ah, putain. Je sais pas où ça tire. Je suis vraiment un noob en FPS, les gars. Je vous le dis. Hein. Genre, ne soyez pas surpris. Je suis un beginner de chez beginner. J'ai dû jouer à une partie de Counter-Strike, le source. Genre, il y a 10 ans. Et j'en ai fait 2. Voilà. Enfin, peut-être pas il y a 10 ans, mais je sais pas quand le jeu est sorti. Mais... ok, donc on va remplacer celui-là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Alors. Il nous est enculé. Ah non, c'est moi qui tirais. Putain. Mais ça a tiré tout seul, what the fuck. Ah là, il y a l'arme de Daryl Dixon. Mais j'ai pas envie de la prendre. Merci pour le follow, les petits potes. Je les entends même si je les vois pas. Alors tu sais quoi, attends, je peux regarder vite fait. Alors, je vais vous montrer en même temps. Tu sais quoi, on va se coucher là. Oh, allonge-toi ma puce. Oh, la personne nous trouvera. Donc en gros, là le rond vert, c'est la map où il faut aller.
Ok, parce que le gaz va se propager. Vous voyez, à droite, c'est marqué gaz va se propager dans 4 minutes 22. Donc voilà, et donc nous, on est dans ce carré-là. Ils nous disent pas exactement notre position. Ils nous disent pas exact. Mais c'est moi qui tire comme ça, mais putain, mais comment ça se fait? J'appuie pas sur la souris. C'est super chiant en fait. Bref, ils nous disent pas la position exacte dans le carré, mais on sait qu'on est dans ce carré-là. Donc là, on est là, on fait notre position, c'est si on avance tout droit, ce sera ouest-nord-ouest. Donc ouest-nord-ouest, évidemment, si vous n'êtes pas trop débile, bah c'est par là. Donc enfin, c'est même plutôt par là. Donc du coup, bah nous, faut qu'on aille nord-est pour être safe, sachant que le gaz se propage mais doucement. Hein, c'est un gaz gentil pour l'instant. Les premières vagues sont assez douces. Et après, par contre, plus ça va et plus la map est restreinte, et du coup, tout le monde se retrouve à la fin et c'est gangbang. Oula, attends. Y'a un mec qui tire au je sais pas quoi, du coup. Ah, y'a une voiture, sa mère. Attends, parce que là, le problème c'est. Je sais pas où il est, cet enculé. Il est là. Ah, oh, eh, franchement, je suis assez content de moi parce que d'habitude je tire pas. D'habitude je cours et j'ai presque tué, d'accord? Les mecs que j'ai tués dans mes 10 meilleurs games, c'est des mecs qui n'avaient pas d'armes et sur lesquels j'ai réussi à balancer mon chargeur dessus. C'était pas ouf du tout. Mais voilà, j'ai fini 73e sur les 150. C'est pas terrible, mais c'est comme ça. On continue. On va en refaire une petite, bien sûr. Donc là, vas-y, je vais aller à la maison là. Pour l'instant, j'ai vu personne d'autre. J'espère que je serai tout seul en vrai. Comme ça, je peux commencer le jeu tranquillement. Enfin, la partie tranquillement. Voilà. Ah putain, non, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé. Ah putain. Tu sais quoi, s'il ouvre la porte, je l'encule. Bah, il va pas ouvrir la porte. Non, ça va. Bon. vas-y. Ah, j'en ai une autre. Merci pour le follow! Là vous voyez que ça se bute hein. Alors là putain. Ok bah j'ai au moins un arc. C'est quoi? Je l'ai entendu atterrir donc c'est sûr il est là. Merde. Voilà. Bon tu sais quoi, on a un vieil arc ma poule. Et on n'a pas de vie aussi. C'est un petit bandage. Voilà. Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait des petites munitions. Ok. Mec, si je le bute avec l'arc, c'est la révélation. Il a pas d'arme. Je suis content et je suis pas content en vrai. Parce que du coup j'ai pas d'armes. Et lui il avait rien. Du coup on est tous les deux nuls à chier. Heureusement que j'ai vu qu'il était là. Et qu'il traînait derrière. Et mec je lui ai mis au moins 150 flèches. Enfin. Non, j'ai essayé de le tuer. J'ai essayé de lui mettre au moins 150 flèches. Alors regardez vite fait où on est. Oh putain. Donc on est là. Il faut qu'on monte tout là-bas. Mais tout là-bas c'est super lent en fait. Nord. C'est parti. On va faire un tout droit jusqu'au nord. Et tu sais que si on fait 2 kills on n'aura jamais fait une partie à 2 kills. Mais bon, faut en faire un deuxième. Ça c'est quand même compliqué. Parce qu'un mec qui a main nue, ça va. Là il pouvait rien faire, il sautait dans tous les sens. Mais voilà, c'était trop tard. Mais un mec qui a une arme aussi. En plus j'ai pas de casque, j'ai pas de gilet pare-balles. En vrai je suis vraiment pas bien là. En vrai on pourrait s'allonger juste pour le fun. Attendez. Dixit, on pense à toi. Bon, 2:32 avant que le gaz se dissipe, donc on a encore le temps. Enfin, on a encore le temps. Le mec est super lent. La map est assez grande en vrai. Il reste 73 gugus. On n'est pas encore au moment où il faut tryhard en fait. Ok, on y va. On y va les gars, peut-être qu'il y a des...
Peut-être qu'il y a du flouze. Peut-être qu'il y a des trucs cool. Genre, des sacs. Un sac, c'est cool en vrai. Alors. Apparemment rien. Génial. Putain, ils ont tout pillé. Ah si, un sac. Ça par contre, c'est cool. Putain, ouais, ils ont tout pillé, sans déconner. Mais fermez pas les portes, c'est dégueulasse de faire ça. Au moins, on sait. Oh, y'a un petit gun. Y'a un casque. Yes, y'a deux casques. Tiens, on va en prendre deux. Parce que les casques, je vous expliquerai après, y a des crafts qu'on peut faire qui sont sympas. Ok, moi j'aime pas trop quand il y a la route là. Là on a vraiment pas le temps de tenter. Le gaz, ah bah le gaz arrive. Ok, on n'est pas si loin que ça. Le problème c'est si on trouve quelqu'un vu qu'on est nul au tir et qu'on a que 12 balles sur ce pistolet. Il y a très peu de chances qu'on survive ça. Bah attends, ah là y'a un mec. Ok, attends, je vais me rapprocher un peu. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez tous vu! Il est où? Je l'ai pas touché. Ça m'aurait étonné! C'est quoi, on va reload? Ah, il est là. Hop. Oh, comment il fait? Je suis derrière l'arbre, enculé. Ah, lui, il est meilleur que moi. Ah, lui, il est 100 fois meilleur que moi. Ah, lui, j'aurais peut-être pas dû l'emmerder. Putain. Ça t'apprendra à être en short. La dernière fois, j'avais tué un mec, il avait cette capuche. Je lui ai pris, mais je l'ai pas récupéré, je suis deg. Genre, si les mecs que tu tuais, tu pouvais récupérer leur skill, ce serait quand même la folie. Tiens, prends ça, toi. Le mec il a rien demandé, il se fait. Et l'autre il se roule par terre. C'est terrible le lobby, je trouve que c'est presque la partie la plus drôle du jeu. Parce qu'il peut rien t'arriver. Et en fait on court. Donc c'est exactement comme quand je joue mes parties, à part que moi je fais que courir, mais il peut m'arriver des trucs. On va s'y rendre. Enfin, cette petite maison, c'est même un beau palace, hein. C'est une voiture ça. Oh. Attends. C'est quoi, on va prendre la voiture vite fait. Oh non, c'est peut-être pas une voiture qu'on peut prendre. Je ne sais pas les reconnaître. Allez, salut. Et des converses. Nickel. Ok, bon, là ça ira mieux. Est-ce que je vais rechercher les balles? Ouais, on a large le temps. On n'a pas le temps, putain. Je vais aller chercher ça. Mm-hmm. Voilà, allez, salut. Ah putain, la sortie. La sortie. C'est bon, on est bien là. On est bien, il nous manque un gilet pare-balles et un casque par contre, ça on est pas bien. Parce que ça c'est super important mine 2. Oh. Il a la clé ou pas cet enculé? Oui. Oh. Allez salut. Je suis champion. Eh là les gars, attendez, bah du coup avant de partir on va faire la baraque, vite fait. Au cas où il y aura un truc de ouf. C'est parfait ça ma poule. Alors on y va où on a dit, au sud? Allez salut. Bon par contre, le problème quand vous avez une voiture, c'est que tout le monde veut votre voiture. Et ça, j'avoue, c'est chiant. Alors, faut qu'on aille où on a dit. Là, t'inquiète qu'on a le temps, mec. On a large temps, parce que la voiture, ça va trop vite. Broum, on fait des petits sauts. On peut pas faire de salto, j'ai déjà essayé. J'ai ruiné ma voiture. Vous êtes pas là pour... hein. Par exemple, là, c'est une conduite approximative. Mais écoutez, les gars, moi, j'ai Grand Turismo 4, j'avais. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est agréable à regarder. PS2 les gars, je l'ai rongé avec mon pire Grand Turismo, en vrai. Oh, y'a un mec là-bas, non? Je crois qu'il y a un mec là-bas. Non mais viens, on va pas chercher les mecs, on s'en bat les couilles pour le moment. Y'a trop de mecs là, de toute façon. 59, c'est beaucoup. Oh là, attention. Attention, eh oh. Quand même. On va monter la colline là. Après tout, on a quand même un jeep, hein. Allez, c'est parti. On va voir si ça monte pas. Putain! Un petit coup de boost. Pas mal. S'il y avait quelqu'un en haut, comme je serais déjà trop mort. Non!
Non, 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 non. Mon 4x4. Mon 4x4. Oh, oh non, mais putain, what? J'étais dans ma voiture, PD, il m'a mis une balle. Bon, le mec, il est chaud, regarde, regarde tout le skin qu'il a. Putain, alors lui, il s'est régalé, lui, là. Non, mais depuis tout à l'heure, j'essayais de monter la montagne. Combien de kills? 0. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, les potes, c'était assez cool. Comme vous l'avez vu, on est très skillé dans cette VOD de découverte. Vous verrez certainement un... kill hein, à l'arc, ce qui était quand même contre un mec qui n'avait pas d'arme, donc c'était quand même exceptionnel. Vous voyez tous mes skills dans leur display, mais j'en ferai plus du H1Z1 si ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous et puis salut.